sing a song of Christmas, dancing away. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la luminosité qui doit être un peu pourrie, ma foi, en fait, le temps qu'il fait, il pleut ou il neige, je sais pas ce qu'il fait dehors, bref, il tombe à un truc, il fait tout gris, donc j'allume toutes les lumières, donc désolée si ça fait un peu jaune. J'ai pas d'ampoule blanche, j'ai des ampoules jaunes. Bref, c'est pas grave. Je vous retrouve pour une vidéo du calendrier de l'Avent, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des enfants. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, vous avez déjà fait une idée cadeau pour lui, pour elle et ma wishlist que je vous remets dans le petit ici. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais, enfin, ce que le Père Noël, voilà, ce que le Père Noël avait pris pour les enfants de ma famille, sachant qu'on fait des cadeaux que aux enfants bien évidemment. Donc ils sont 6, ça va de 1 an à 14 ans il me semble. Donc il y a 3 filles, 3 garçons, la parité hein. Donc du coup voilà, donc pour la plus petite... J'ai pris ce tambourin de chez Wesco, donc il a l'air plutôt sympa. Si je retrouve les liens, je vous mets tout en barre d'infos. Sachant que c'est les parents qui nous envoient la liste et après nous on choisit selon notre budget. Donc je lui ai pris ça. Ensuite pour un petit garçon, j'ai pris ceci. Voilà, donc c'est des Lego. C'est les Lego Duplo. Ceux-là c'est... C'est le numéro 10812 et c'est, je crois, je sais plus comment c'est, la pelleteuse et le camion Ben, voilà, tout simplement, de chantier. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, pour une des deux autres filles, une poupée Barbie arc-en-ciel. Donc il y a, c'est la Barbie Dreamtopia. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc on peut faire plusieurs tenues avec 8. Voilà, donc il y a tout ça. Vous avez la robe, le bustier, l'autre robe, l'autre bustier, les ailes, une autre tenue. Et vous pouvez faire tout ça avec. Donc voilà, ma foi, c'est plutôt sympa. Ensuite... Pour l'autre fille, elle voulait... alors comme ça, ça va pour vous parler. C'est une marelle en plaque comme ceci. Qui vient de chez Verbaudet. La Barbie vient de chez Amazon. Et les Lego, ça vient de la Fnac. Et ça, c'était sur Verbaudet. Voilà, c'est une marelle en plaque mousse. Et là, vous avez les palets. Et le dernier, donc, il voulait un livre... Creblanc. Donc voilà, je lui ai pris le livre Creblanc. C'est plutôt un très beau livre. Franchement, c'est vraiment un beau livre. Donc un livre Creblanc, pareil, qui vient d'Amazon. Et pour le plus grand, lui, bah, maintenant à son âge, hein, on ne monte plus des jeux, des jouets. Il voulait des habits, donc je me suis mis avec mes parents et je crois avec mon frère pour participer. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu des idées cadeaux, enfin ce que on demandait. Bien évidemment, là, il n'y a que la famille. Et c'est déjà pas mal niveau budget. On avait un budget à peu près de 20 euros par enfant. Il a été plus ou moins respecté. Il y en a pour qui ça a été un peu moins. Il y en a pour qui c'était un petit peu plus. Après, tout dépend de ce qu'ils ont demandé. Et avec les frais de port, bah, ça dépassait un petit peu. Enfin, voilà quoi. Mais voilà, je suis plutôt contente. J'espère qu'ils vont être contents. Les loulous, c'est le principal. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire quel a été votre jouet coup de cœur, ce qui pourrait vous faire craquer pour vos enfants, pour un dernier petit cadeau de dernière minute, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Plein de bisous.